Bonsoir tout le monde. Félicitations d'avoir gravé les éléments. Espérons que ce ne soit pas trop froid lorsque nous retournerons chez nous. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Jean-Yves Marchand, qui est un auteur sur Jean de la Croix. Il nous en a déjà parlé, et aussi de la formation intellectuelle de Thérèse Avila, je me souviens, en philosophie, tout ça. Alors, j'ai commencé à lire son ouvrage, et lui dit que c'est le meilleur. Il en a écrit plusieurs, il a écrit toutes sortes de sujets, Jean-Yves Marchand. C'est un écrivain prolifique, même s'il est à la retraite, il dit ça. Mais c'est pas certain qu'il va tout arrêter. Alors, bonne soirée, et on applaudit Jean-Yves Marchand. Il faut toujours qu'il est très risqué d'applaudir quelqu'un avant qu'il parle. Hein? On ne sait pas ce qu'il va dire. Alors, quand Clément m'a demandé l'an passé de préparer une causerie, c'était sur les symboles et la poésie dans Saint-Jean-de-la-Croix, j'ai essayé de fouiller parce que ce n'est pas un sujet avec lequel je suis vraiment à l'aise. D'abord, je n'ai pas de formation sur les techniques politiques, tu sais, les poétiques, les alexandrins, les affaires de même. Ça, je suis beaucoup plus réservé sur ces choses-là. Alors, mais par contre, le but du siècle, c'est la réflexion. C'est, on essaie de voir un petit peu comment est-ce qu'on s'y prend pour approcher les différentes civilisations. Et ça, je crois que Saint-Jean-de-la-Croix, puis moi-même, je suis plus à l'aise. Je n'ai pas tassé un peu Saint-Jean-de-la-Croix pendant 20-25 ans. Et c'est très, très. C'est un homme qui, moi, me rejoint énormément. Énormément. Alors, on va réfléchir, si vous le voulez bien, sur, bien sûr, son œuvre poétique et sur sa symbolique. Ça m'apparaît des éléments de fond. Hein? Et ensuite de ça, ben, pour les techniques, là, si vous êtes meilleur que moi, vous le verrez. Je veux insister énormément pour partir. Sur son ambiance, sur son atmosphère, sur Jean de la Croix, on ne peut pas le comprendre en prenant un livre de poésie, ça y est, là, je regarde ça, bon, mais c'est... Jean de la Croix, on ne peut saisir sa symbolique et puis qu'à partir de sa biographie et qu'à partir de son époque. Et à ce moment-là, on peut vraiment en tirer le maximum. Mais il y aurait, je prends un exemple, là. La nuit obscure. Bon, je vais en parler un petit peu. Là. La nuit obscure, c'est quoi? Ça fait allusion à une expérience extraordinairement forte qu'il a eue. Il était emprisonné pendant 9 mois dans un cachot. Dans ce temps-là, dans les monastères, il y avait des cachots pour les têtes qui étaient un peu fortes. Et puis, il était enfermé là-dedans. Il a commencé à composer un de ses très, très grands poèmes à partir de son expérience biographique. Jean de la Croix, c'est un homme de même, ça. Il parle, comme d'ailleurs, toutes les personnes qui parlent et qui peuvent nous intéresser, en général, ils ont déjà vécu quelque chose. Ça part d'eux autres, parce que, uniquement sur le plan intellectuel, c'est très bien. Mais on ne va pas loin, hein? Alors, Jean de la Croix part de son entourage et de sa vie. C'est pour ça que j'insiste énormément. Pour comprendre sa symbolique, il faut comprendre sa vie, il faut comprendre son époque. Qui est-ce que c'est Jean de la Croix? C'est un homme qui est du 16e siècle, d'abord espagnol, le grand siècle d'or, hein, des Espagnols. C'est dans le temps, là, il est né en 42, l'Amérique venait d'être découverte par les Européens. Et puis... Ça me fait toujours un peu rire de dire que l'Amérique est découverte parce que, dans le fond, l'Amérique était là bien avant que les Espagnols arrivent. Et puis, je me souviens, quand j'étais à Rome, j'ai une dizaine d'années, et puis, je disais à un Salvadorien qui ne se faisait pas son affaire, c'est, je dis, bon, ben, les sauvages étaient sur le bord de la plage, puis on est découvert. C'est pas ça du tout qui s'est passé, il était là. Mais il en demeure pas moins qu'en 1542. Il vient au monde, c'est quelques années après Cortés et tout ça. Ses parents, et ça c'est sa première,
c'est sa première indice qui nous dit qui est Jean de la Croix, puis comment est-ce qu'il va s'exprimer. C'est un homme qui a eu de la misère dans la vie. Il est demeuré orphelin très très jeune, avant même d'avoir 6 ans. Son père avait fait une mésalliance avec sa mère, c'est-à-dire dans ce temps-là, l'honneur espagnol c'était quelque chose, le point d'honneur. Hein. Et puis elle n'était pas à la hauteur de la noblesse du père. Alors c'est ce qu'on appelle une mésalliance, bien sûr. Et puis sa famille avait rejeté. Alors ça, il faut s'imaginer un Jean de la Croix, un Jean Yepes, qui vient au monde dans une famille qui est isolée. Alors, quand il va parler de silence, quand il va parler d'isolement, quand il va prendre une série de symboles pour exprimer ça, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle dans la misère. C'est comme, voyez-vous, il a été obligé de travailler énormément pour faire ses études. À l'époque, l'État n'intervenait pas. Il y avait déjà eu une révolution tranquille en Parsisteros, c'est l'Espagne. De cette époque-là, du 16e siècle, et puis Cisneros avait déjà entrepris une révolution scolaire, comme on a eu nous autres au Québec au début des années 60, mais lorsqu'on n'était pas dans la bourgeoisie, avant les années 60, soit que ça nous a touchés, moi ça m'a touché, soit qu'on on l'a appris. Mais ce qui était certain, c'est que ceux qui se faisaient instruire, il y avait de quoi quelque part qui grinchait et qui fallait avancer. Parce que l'État n'aidait pas. Alors, c'est la même chose pour Jean Yepes. C'est un homme qui a dû travailler tout le temps pour faire ses études, y inclut ses études primaires. Donc, un homme qui sait ce que c'est la misère, pas de dolorisme du tout, mais il sait ce que c'est que travailler. C'est très intéressant ensuite. Quand il va nous parler, par exemple, que pour aller à Dieu, parce que ça, c'est une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il mêle la poésie avec sa foi. Ça, c'est le grand siècle espagnol. L'un ne marchait pas sans l'autre, jamais. Puis la foi, c'est la foi catholique, on le sait, hein, l'Espagnol est devenue une nation en Europe contre. C'est d'ailleurs toujours ce qui se produit. Hein? Toute minorité qui se prend en charge le fait d'abord contre une majorité. Ce n'est pas nouveau, c'est une loi d'histoire. Et l'Espagne, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est la foi catholique qui était contre la foi musulmane, contre les juifs, etc. Bon, il est à une époque, et il ne faut jamais l'oublier, il est très proche de 1492. Puis 1492, ce n'est pas rien que la découverte de l'Amérique, c'est la prise de Grenade. L'Espagne est enfin unifiée par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. C'est le grand siècle. Et ça, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre Jean de la Croix. Pour lui, il y a des évidences qu'on n'a pas. Tu sais, je disais tout à l'heure, je regardais sur la table l'incroyance au Québec. Ça n'existait pas en Espagne. Ça n'existait pas. Ça. Il faut se remettre dans son contexte. Bon. Alors, Jean de la Croix, donc, il a été, dans les premières années de sa vie, dans un monde pénible mais brillant. On sait très bien que il est archi brillant, hein? Il avait des fortunes colossales. L'or de l'Amérique, là, c'était pas. Il ne faut pas s'imaginer. Les Espagnols, il ne faut pas oublier qu'ils ont triplé la quantité d'or en Europe en quelques années. Ben, c'est quelque chose. T'sais. Quand Philippe II se battait, il payait avec l'or de l'Amérique. C'était vraiment quelque chose. Alors, c'est un sujet rutilant. Il n'y en a pas peur de ça. Sa mère, lorsqu'elle est devenue veuve, lui, il n'avait pas encore 6 ans, a essayé de renouer avec la famille de son mari. Il n'a pas marché partout. Ah, pas du tout. Elle a voulu se marier. L'autre a fait une mésalliance. Arrange-toi avec tes enfants. C'est une époque rutilante, extraordinaire à tous les points de vue, politique, économique, social, culturel et religieux. Mais Jean de la Croix n'a pas peur à ça. En 63, là, il est né en 42, à 19 ans, il rentre au Carmel. À l'époque, le Carmel n'était pas divisé. Hein? Aujourd'hui, il y a le Carmel régulier, si on veut, on appelle les grands carmes, et le Carmel Deschaux. Là, en ce temps-là, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'est ceux qui se réformaient, s'appelaient Deschaux, c'est les Deschaux. Alors, le Carmel réformé, donc Carmel Deschaux, il se mettait des sandales au lieu de se mettre des chaussées.
C'est rien de plus ordinaire que ça. Et il rentre au Carmel. Il n'y avait qu'un Carmel à l'époque, en 63. Il rentre et puis voilà qu'il rencontre Thérèse d'Avila en 67. En 67, donc quelques années, 4 ans après être rentré, il avait 23 ans, et puis Thérèse d'Avila a le tour de lui dire, ben, vous ne pourriez pas, bon, il n'y a pas du seulement, elle est assez féminine pour ça, mais vous ne pourriez pas réformer la branche masculine du Carmel. Quand on dit réformer, c'est travergolette, disent les Italiens, c'est entre guillemets, hein, parce que, bon, ben, elle l'a fondée, elle est vraiment fondatrice du Carmel, des choses. Elle l'a organisée à son goût, puis bon, ben, on va tout faire selon les règles, mais on va privilégier une telle, une telle, une telle. Bon. Alors, Thérèse d'Avila avait déjà réformé le Carmel féminin, et à l'époque, il fallait absolument qu'une branche masculine soit aussi réformée si on voulait que ça marche. Et elle a demandé à Jean de la Croix de le faire. Jean de la Croix le fait. Il embarque avec, et il faut le savoir, ça, cet effort-là, c'est une grande incidence au niveau de sa problématique, de sa thématique, de toutes ces images qu'il va avoir. En 77, j'ai mentionné un petit peu une de ses grandes images, la nuit obscure. Ben oui, il était dans une nuit pendant 9 mois, dans un cachot à Grenade. Et puis, il a composé la première partie de son cantique spirituel. Je vais revenir sur ses grands poèmes. Hein? En 91, voilà, il a été démis de toutes ses charges. Parce que, voyez-vous, tant au cachot de Grenade qu'au Conseil général, en 91, il avait déjà commencé depuis quand même un bon bout de temps la réforme. Et c'est un petit peu... C'est toujours ce qui se produit. Quand le petit gars est le seul à avoir, tu sais, la maman qui dit, regardez donc mon petit gars, il est le seul à avoir le pas dans tout le régiment. Là. Bon. Et on ne peut vérifier de quel côté est Dieu, parce qu'à l'époque, faut, je l'ai dit, on ne sépare pas la foi de tout le reste. Et on ne peut vérifier le bien fondé de tout ce qu'il a écrit, de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait. C'est un homme très pratique d'ailleurs. Très, très pratique. Il a refondé, il a bâti les choses. Il n'était pas dans les nuages. C'est pas un poète de nuages, oh, pas du tout. C'est un homme extraordinairement pratique. Il a accompagné aussi beaucoup de personnes hein, dans sa vie. Et d'abord, il avait la chance d'avoir eu un cours universitaire, ce qui n'était pas banal à l'époque. Et puis ensuite de ça, il a accompagné les carmélites, etc., qui ne sont pas des nonnes, hein, soit dit en passant, c'est des femmes de très haut voltige spirituel en général, qui sont là. Alors, avec ces deux éléments-là, il était capable de dire, bien, ce que vous vivez, voilà, en mots, selon la philosophie, selon la théologie, ce que vous vivez. Ça lui donnait une chance. Et on comprend Jean de la Croix dans ce qu'il nous dit, à partir du moment où on comprend son travail aussi. C'est ça que Jean de la Croix a fait. Et il est capable de l'exprimer dans des mots. Ses plus grands poèmes qu'a écrit Jean de la Croix, c'est le sommet de tout, Agnan de Peñalosa. C'est une laïque. C'est pas simplement pour les carmélites et les carmes qu'il a écrit. Attention, c'est pour tout le monde. C'est ce qui fait qu'il est très, très pratique. Et moi, je trouve qu'il est une actualité, parce que je regrette, mais notre condition humaine, oui, change. Le contexte, je veux dire, j'ai rien qu'à regarder la patente qu'ils m'ont mis ici pour parler. Il n'y avait pas ça au 16e siècle, c'est bien évident, etc. Oui, le contexte change, mais la nature humaine ne change pas. C'est toujours les mêmes fonds. Alors, il est né d'une grande actualité, surtout si on rejoint un Jean de la Croix, et ça, tout le monde en a, des moments de difficulté, des moments d'exclusion, des moments de réflexion. C'est un homme qui nous rejoint. On lit ça, on dit hop, 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 ça ressemble à ce que je vis. Donc, premier contexte bien important pour comprendre sa dynamique et sa symbolique, sa vie. Deuxième élément, je l'ai dit, je le répète avec beaucoup de force, ce contexte de foi. C'est une tête, Jean de la Croix, écrit à une époque où la foi est pervasive, là, les Anglais.
C'est vraiment, c'est le contexte sociopolitique, ça marche de même. Bon, mais là, il faut le savoir. Et quand on lit ces poèmes, c'est pas nécessaire d'avoir la foi. On peut très bien lire ces poèmes et sa poésie, sa symbolique, sans avoir la foi. D'ailleurs, il y a des livres qui sont écrits et qui expliquent Jean de la Croix sans forcément faire appel à la foi. Hein? La foi, c'est un deuxième niveau de compréhension. Alors, c'est un deuxième niveau de connaissance. Naturellement, le niveau de connaissance qui nous intéresse surtout au 20e siècle et actuellement, c'est le niveau scientifique. On parle des choses, on regarde ça, il y a une table où il y a des théories, il y a des hypothèses, etc. Maintenant, le niveau de la foi, c'est un deuxième niveau. Hein? Dans un contexte de foi, ce serait Dieu qui parlerait, qui expliquerait ces choses, sa façon de voir, sa façon de penser, son approche à lui. Et c'est ce que Jean de la Croix a essayé de saisir. Et lui, c'est pas séparable ces deux niveaux-là. Hein? Il dit, il est très pratique, il est donc un homme, les pieds sur terre, mais en même temps, il y a le deuxième niveau tout le temps. Et ça, il y a des choses que parfois, on dira, ben là, on n'en parle pas là-dedans. Mais là, lui, c'est ça, là. Bon, le deuxième niveau de connaissance. Et il commence, donc, par exemple, en espagnol, à donner des condistes, amado. Le cantique spirituel commence, parce qu'il écrit en espagnol, c'est bien sûr. Et puis, où es-tu bien-aimé? Il commence comme ça, c'est Jésus-Christ, ça. Il n'y a rien qui empêche d'y voir d'autres personnes, mais pour lui, c'est Jésus-Christ. Alors, son contenu, il va être très, très attentif aux relations avec Dieu, avec Jésus-Christ. Nous, on peut dire, une relation avec une amoureuse ou un amoureux, il n'est pas nécessaire d'avoir la foi, mais pour lui, il l'avait. Et sa relation, elle est d'abord et avant tout avec Dieu. Et je le dis, il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour lire Saint Jean de la Croix, mais de l'autre côté, pour pouvoir vraiment, si le domaine de la foi auquel il applique sa poésie nous intéresse, ça existe, ça, et ça, on peut comprendre Jésus-Christ. On peut comprendre Jean de la Croix énormément pour ça. Ça, j'insiste énormément pour ne pas être déçu. Hein. On dit la montée du Carmel, par exemple, un de ses grands poèmes, c'était la montée du Carmel, mais on dit, il monte une montagne, oui, mais il monte une montagne, c'est quoi qui est au sommet, là? Pour lui, c'est évident que c'est Dieu. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a saint Paul qui dit qu'il y a telle chose. Lui, c'est évident. Et on peut quand même faire cette ascension sans forcément avoir la foi si on l'applique à autre chose. Mais ça demeure un homme qui est quand même consacré par l'Espagne. C'est un des grands poètes espagnols actuels. On va étudier les grands poètes, là. Je n'ose pas en nommer parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais nos grands poètes dans notre langue, il va y avoir d'avantement dans toutes les langues, il y a des grands noms. Et Jean de la Croix est un des grands poèmes, des grands poètes de la langue espagnole. J'insiste sur le contexte, j'insiste sur ça parce que ça nous aide à comprendre les symboles qu'il va prendre ensuite. Sans quoi, c'est très difficile de le saisir. Hein? Bon, et on peut le décaper. Mais avant de le décaper, il faut avoir de la cape en dessous. Hein? C'est ça. Et le fait que parfois, il y a un aspect de foi peut rendre son œuvre mystérieuse. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire là-dedans. Il part de son expérience, il part de son contexte, et puis on dit, ben, il y a des bouts qu'on a de la misère à comprendre. Bon, pas expressément. Il est pleinement de son époque. Je l'ai dit, on est tout proche de 1492, donc proche de l'expulsion, c'est-à-dire de la victoire sur les musulmans. On est proche de l'expulsion des juifs, etc. Il faut que j'en lise, c'est son contexte. Et puis, il est pleinement, donc, la littérature soufie. Il va être influencé par ça. Les orientaux vont aussi beaucoup, beaucoup apprécier Jean de la Croix. Ils vont dire, ben, c'est un des noms. Non, c'est un poète universel, Jean de la Croix. Hein? Maintenant, il est enraciné aussi beaucoup dans tous les poèmes de la Castille de ce moment-là. La Castille et l'Aragon, on le sait, ont
entre autres avec Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, à leur mariage, ont fait le noyau de l'Espagne, le noyau dur. Et ça va devenir de plus en plus. Je n'entre pas dans ça, surtout qu'il y a des grands spécialistes en histoire parmi nous. Là. J'entre pas là-dedans. Mais il en demeure pas moins qu'il est au courant de tout ce qui se fait. C'est un homme, il a des antennes, hein? C'est un petit peu comme une limace, là. Il y a des antennes, et puis il sait très bien la littérature poétique de son époque, donc de celle de Castille, etc. Il n'y a aucun étonnement. C'est comme quand on lit la Bible, il y a des poèmes amoureux et érotiques, comme par exemple le Cantique des Cantiques, etc., et qui sont entrés dans la Bible. C'est la même chose pour lui. Il a saisi le monde poétique de son époque, et puis il le transforme dans son génie propre. J'insiste beaucoup sur ça. Quels sont maintenant ses poèmes comme tels, ayant insisté sur sa biographie et sur son contexte de foi? Quels sont les poèmes de Saint-Jean de la Croix? Saint-Jean de la Croix, d'abord, on peut les trouver, hein, les poèmes de Saint-Jean de la Croix, n'importe quand, soit sur Google, ceux qui manipulent un peu l'Internet, soit les Carmélites de Paris. Les traductions sont toutes différentes, c'est un hispanophone, il ne faut pas l'oublier. Père Marie-Eugène d'Enfant Jésus a donné un résumé de son enseignement, avec celle de Sainte-Thérèse, d'ailleurs, et sa traduction, elle est propre. Et moi, celle que je préfère, c'est la traduction du Père Lucien, Cyprien. Je trouve que c'est la traduction la plus proche du contexte de la langue espagnole. Et ça, c'est bien parce qu'on peut avoir le jus, hein, le substantifique moelle, le dirait l'autre. De Jean de la Croix. Il y en a d'autres qui sont plus faciles à lire, comme par exemple Mère Marie du Saint-Sacrement qui a traduit ça. Son premier but, c'était pas de nous livrer ce que Saint Jean de la Croix avait dit mot à mot, mais c'était de nous donner le goût de le lire. J'en ai très bien réussi. Mais des fois, c'était pour quelqu'un qui aime les textes proches, non? C'était à la limite de l'acceptable. Mais il y a beaucoup de traductions. Bon. Il y a quand même trois poèmes principaux que Saint Jean de la Croix a eu. Le premier, c'est le Cantique spirituel. Bon, il est d'abord écrit en 39 strophes de 4 couplets, et puis de 4 versets. Et puis, ensuite, le Cantique spirituel B, c'est de inajouter une. Hein? Ça nous a donné 40. Alors, ceux qui auraient uniquement connaître Jean de la Croix, dans son enseignement et dans sa poésie, on pourrait commencer par le Cantique spirituel B. Il y aura l'essentiel de Saint Jean de la Croix, Cantique spirituel B. Il a, j'ai dit, c'est un poème, c'est un petit peu, c'est les gens qui ont des talents dans ça, j'ai remarqué souvent que ils sont comme aimantés par les gens qui ont des talents comme eux autres. On regarde ça, les artistes aussi, ils sont très sensibles en général, même s'ils ne montrent pas, c'est pas plus grave que ça. Et puis, quand même, ils sont capables d'aller chercher les choses qui ressemblent à ce qu'ils vivent. Et c'est ça qui est arrivé avec Jean de la Croix, il a pris le Cantique des Cantiques dans la Bible, et il en a fait le Cantique spirituel. Deuxième grand poème, je l'ai mentionné depuis le début, c'est La Nuit obscure. Lui, il y a 8 strophes, il n'y en a pas 40. Et c'était la base. Jean de la Croix explique sa symbolique, il l'explique en prose, sa symbolique poétique. Il écrit un poème et puis il l'explique en prose. Et ça, c'est très intéressant pour un auteur, on n'a pas à se casser la tête. C'est ça qu'il voulait dire, c'est ça qu'il voulait dire. C'est... Bon, personnellement, je suis beaucoup plus attentif à ça. Je n'ai pas tellement l'esprit poétique, je trouve ça très très beau. Honnêtement, je trouve ça très beau. Je ne suis jamais capable d'en faire comme ça. Le troisième grand poème, donc, après La Nuit obscure, après le Cantique spirituel surtout, c'est La Vive Flamme d'amour. Ça, c'est un poème en 6 strophes qui était à la base de son dernier grand livre qui est La Vive Flamme. Hein. C'est très bien. Vive Flamme d'amour, ça, c'est ce qui se produit quand une personne vit à fond ses relations avec Dieu, il y a de quoi qui se passe. D'ailleurs, la base de la psychologie moderne, c'est beaucoup, beaucoup le Carmel hein, qui l'a donné, parce que Sainte-Thérèse avait là comme Jean de la Croix. Ils disent, mais voilà, on aime Dieu, on fait telle affaire,
Voilà ce qui se passe en dedans de nous autres. Il y a telle joie qui se produit, il y a telle tristesse, il y a telle... Ils vont chercher ça. Donc, la psychologie moderne est basée beaucoup, beaucoup sur les observations. Hein. C'est une d'ailleurs des grandes caractéristiques du Carmel par rapport à d'autres spiritualités chrétiennes et catholiques. C'est cette capacité d'analyse de l'anthropologie. Je vais y revenir. Ça, c'est donc les trois grands poèmes de base. Cantique spirituel, nuit obscure, vie flamme. Il y a des poèmes moins importants, mais très expressifs, selon moi, attention, selon moi. Le pastoureau solitaire, le petit berger qui s'occupe de son... C'est tout le thème du berger, hein? Ceux qui sont familiers avec la Bible, par exemple, le psaume 22 rejoint en général. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'était pas rejoint par le psaume 22. Tu sais, « Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, je délivre d'air frais, je me fais reposer, etc. Bon. » Alors, le pastoureau, c'est quelque chose qui a été influencé et il nous a composé quelque chose qui avait de l'allure. Et le deuxième poème, second, mais important à mon avis, c'est le Super Flumina Babylonis. On sait très bien que dans l'histoire du peuple hébreu, il y a eu une grande coupure qui s'est produite à un moment donné. Ce n'est pas l'élément le plus important de son histoire. L'élément le plus important de son histoire, c'est l'Exode. C'est-à-dire le moment où ils sont partis d'Égypte et qu'ils sont allés en Terre Sainte, en Terre Promise, en Palestine. Ça, c'est ils tarissent pas, là. Ils ont raccroché le fait, puis tout le monde. Mais l'exil au 6e, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça a été une coupure effroyable pour eux autres, parce que tout ce sur quoi ils avaient basé leur foi, le temple, le roi, leur pays, s'effondre à 100%. Il ne reste rien. Ils se retrouvent, bon, à Babylone, donc des exilés. Et voilà que cette expérience, tu sais, l'expérience d'ailleurs de la Bible est toujours l'expérience que nous faisons, qu'une personne humaine fait, et puis Jean de la Croix l'a fait aussi, avant Jésus-Christ, c'est morceau par morceau que dans un contexte de foi, on dit, ben Dieu nous a donné peu à peu, selon qu'on pouvait comprendre des choses. C'est la même chose que dans la foi d'une personne. C'est peu à peu, selon ce qu'elle peut comprendre, selon ce qu'elle peut aimer, il complète. Alors, Jean de la Croix, Super Flumina Babylonis, c'est ça. Il dit, bon, les Juifs qui disent, bien, on avait perdu nos harpes, il reste à rien. Puis voilà, cette expérience crucifiante d'une coupure radicale. Voilà, Jean de la Croix nous compose un texte important, un poème très, très beau d'ailleurs, Super Flumina Babylonis. Et puis, il y en a des poèmes, là, donc j'ai dit les trois grands poèmes, deux poèmes que je viens de dire qui sont moins importants, mais que je trouve très beaux. Et il y a trois autres poèmes que moi je trouve très, bon, beaucoup moins connus, mais extraordinairement beaux. Il y a le poème de la source. On sait par Saint Jean, par exemple, ceux qui sont familiers avec la Bible, les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et Jean, s'ingénie beaucoup à nous dire, il fait dire au Christ, bon, je suis l'eau vive, je suis la vérité, etc. Alors, la source, c'est l'eau, hein? C'est un thème extraordinairement important, ça rejoint le baptême, ça rejoint tout ça dans la symbolique, et la source est un poème où Jean de la Croix exprime l'efflorescence de l'eau. L'autre qui est très beau, j'ai l'air de ne pas mourir. Pas mal intéressant aussi de voir qu'on peut envisager la mort autrement que la fin de tout. Hein? Et Jean de la Croix, je meurs de ne pas mourir. Il voudrait bien mourir. Et ça, c'est une constante parmi toutes les gens qui ont une expérience de Dieu. Ils savent très bien que la mort devient un passage. C'est d'ailleurs le noyau dur, le nœud de ce qu'on appelle le salut chrétien, c'est que le plus important devient Dieu, il devient Dieu dans la vie, puis il devient Dieu après dans l'éternité, et au milieu, il y a bien sûr la mort. Et la mort change de signification, elle n'est plus la fin de tout, mais un passage vers un plus. Je meurs de ne pas mourir. Et puis ensuite, c'est très intéressant, le troisième que j'ai, bon, moi je trouve intéressant, moins connu, c'est « sans appui et pourtant appuyé ».« Je suis sans appui », nous dit Jean de la Croix.
Humainement, c'est son poème qu'il dit, humainement, je suis sans appui dans ma foi, mais je suis appuyé sur le Seigneur. Hein? Donc, toujours ce double niveau. Et je pense que Jean de la Croix, fondamentalement, rejoint une des manières de Saint Jean d'écrire. Saint Jean a écrit son évangile sur l'ambiguïté. Hein? Voilà, il y en a qui parlent de mort. Bon, Jésus parle de mort, mais lui, Jésus, parle bien de la mort là, corporelle, mais de la mort spirituelle. Et il est toujours à double ambiguïté. Il est toujours dans l'ambiguïté, Jean de la Croix. Saint Jean. Et je crois que Jean de la Croix fait la même chose. Sans appui et pourtant appuyé. C'est le troisième poème qui me semble bien. Donc, les trois grands poèmes, deux poèmes plus importants, trois poèmes moins connus, et il y en a beaucoup d'autres. Pour comprendre, pour entrer dans la dynamique de Jean de la Croix, ce n'est pas nécessaire de comprendre Jean de la Croix, il s'agit d'entrer dans son bain. Alors, il y a plusieurs romances, les gens aussi chantaient énormément de chants, je l'ai dit, ils étaient très attentifs à la poésie de la Castille, et ils connaissaient tout ça. Et puis, son grand, il était très attentif, non seulement à tout ce qui l'entourait, mais aussi dans sa foi à Saint-Jean surtout. C'est un des quatre évangélistes qui le rejoint davantage. Hein? Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est Jean qui le rejoint davantage. Il va beaucoup se servir de Saint-Paul parce que jusqu'à un certain point, c'est un intello, pas un intello pur. Jean de la Croix n'est pas un intellectuel pur. C'est un homme qui raccroche une expérience et qui l'a dit et qui l'a décrit. Bon. Quand les mots ne suffisent plus, il fait des poèmes, mais c'est un homme, parce que c'est ça la connaissance selon la Bible, c'est jamais seulement intellectuel, c'est toujours, ça part d'une expérience qui est dite parce qu'elle est vécue au niveau émotif et affectif. Bon. Et il y a des gloses à l'eau divino, qu'on appelle, etc. Alors, son œuvre poétique est quand même immense. Et on peut toujours avoir ça dans n'importe quelle traduction. Et là, je viens, pour ainsi dire, plus directement au thème de ma conférence. Si je commençais sans dire l'entourage, à mon avis, je raterais complètement, on raterait l'approche de Saint-Jean de la Croix, l'approche poétique. C'est pour ça que j'ai insisté sur ces... les trois aspects que je viens de dire, sa vie, son contexte de foi et ses principaux poèmes. Et là, on en vient directement, vraiment directement comme un entonnoir à ses symboles. Et c'est beaucoup plus rapide si on a compris le reste. Alors, toute sa vie à lui, c'est comme tous les artistes, ou je ne sais pas, la formation qu'on a eue, on met toujours nos lunettes selon la formation qu'on a eue et qu'on veut avoir. Lui, c'est une formation esthétique, c'est un homme qui saisit les choses de l'intérieur avec les lunettes de l'esthétique. Moi, c'est ça, lui, il est le même. Sa grande intuition, l'intuition, le mot clé dans Jean de la Croix, c'est la beauté, la belleza en espagnol. La beauté, le beau pour lui est l'essentiel. Bon. On aura remarqué, ceux qui ont fait la vieille philosophie d'Aristote, des grands universaux, le beau, le bien, etc. La beauté, pour lui, est l'essentiel. Ça, je pense que si on saisit la beauté à travers son expérience et à travers ce que je viens de dire, on aura saisi ce que Jean de la Croix veut exprimer dans ses mots et dans sa poésie. Pour lui, la beauté divine et humaine, elle s'est cristallisée dans le Christ. C'est son option. Il s'agit donc de voir qu'est-ce qui nous dit de la beauté humaine, qu'est-ce qui nous dit de la beauté divine, pour saisir le beau pour lui, c'est quoi? Hein? La bellezza. Il est profondément sensible, le premier aspect, c'est la beauté des créatures, ce Jean de la Croix. Jean de la Croix est un homme très, très, très sensible aux beautés de la nature. Ça, c'est frappant. Ça serait intéressant de faire une autre conférence sur les parallèles avec saint Paul. Tu sais, la première façon de connaître Dieu, c'est la nature. C'est là qu'il a passé. Puis c'est tout. Bon, dans l'histoire, là, Adam, Noé, tout ça, on ne veut pas. Puis ensuite, ça va se spécialiser, ça va devenir de plus en plus précis jusqu'à Jésus-Christ. Mais
il part d'abord de la création. Et Jean de la Croix est très sensible à ça. C'est la première façon de découvrir le beau pour lui. Il amenait d'ailleurs ses novices, il était maître des novices. Novice, c'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment aguerri, qui commence un style de vie. Et puis, il les amenait faire leur oraison, parce que vous savez, les carmélites font 2 heures d'oraison par jour. Et puis, l'oraison, qui est la prière silencieuse. Et puis, il les amenait sur une colline près de Ségovie, ceux qui sont allés en Espagne, là, puis il les amenait faire leur méditation, là, leur oraison. On les reprenait à prier. Hein? Alors, les beautés de la nature, des créatures, et de toutes les créatures. Oui, il va y avoir la personne humaine, mais de toutes les créatures. C'est plus long, c'est plus large. On prend par exemple la strophe 5 du cantique spirituel. Et il dit, libéral en ayant versé 1012 effets de sa grâce, d'un pas vite, il a traversé ses bois et y tournant sa face, les enrichit de nouveautés en y imprimant sa beauté. Autrement dit, la beauté, elle est découvrable, bon, en Dieu, mais par les créatures essentiellement. Et ce beau-là, dans la créature, il est éphémère. Il n'est pas ce qu'il y a de plus profond en Dieu. Mais c'est un bon début, nous dit-il. Nature, parce que pour lui, c'est une création de Dieu. C'est un sacrement. Le mot sacrement, ici, c'est un terme technique. Au niveau théologique, il peut simplement dire le signe, hein, la transparence. Je peux dire, par exemple, ma montre, c'est le sacrement du temps qui passe. Mon cadran, bon. Un sacrement, c'est un trait d'union. Et puis, la nature, c'est le sacrement de Dieu, de sa beauté. Alors, quand on parle de beauté, c'est toujours dans sa lorgnette. Hein? C'est la beauté des créatures. Et puis ensuite, le Christ, il va y aller selon l'entonnoir que je décrivais. C'est bien sûr qu'il va aboutir au Christ. Mais la nature est d'abord et avant tout le chemin qui mène à Dieu. Et pour lui, la nature, c'est pas idyllique. Ça peut être aussi pas rien qu'un sacrement, donc transparent, mais ça peut être aussi la nature un obstacle à la connaissance de Dieu, parce que c'est ce qui sont les idoles. Alors, il va nous en parler, et ça exige de la part de la personne humaine une purification. C'est-à-dire pour essayer de ne pas s'enliser dans ce qu'on connaît. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup l'expresso, mais au lieu d'en voir quelque chose de stimulant qui va m'aider dans ma vie, je peux très bien m'arrêter à ça. Là, ça ne va plus. Bon. Je prends l'expression, mais ça peut prendre en général beaucoup d'autres aspects beaucoup plus profonds, hein, c'est bien évident. Mais ça, il faut savoir qu'en Jean de la Croix, ça existe. Il n'est pas naïf. Puis il dit non, la créature te mène à Dieu, mais pas forcément. Bon. Deuxième aspect de la beauté, c'est la beauté de la personne. Le mot beauté. Ici, la personne, il va parler de l'âme. Ben, c'est comme dans la Bible, hein? L'âme, c'est pas simplement le 35 grammes de substance spirituelle, c'est la personne. Hein? Et l'âme, pour lui, à chaque fois qu'il en parle, de l'âme, c'est la personne humaine au complet. Et ça, c'est un hint, dire des Anglais, une suggestion extraordinairement importante à saisir. Jean de la Croix n'est jamais désincarné. Jean de la Croix, il dit, c'est beau, le monde est beau, mais c'est le monde. On est avec un corps, on n'est pas simplement animé, au sens étymologique du terme. Alors, c'est la base. Voyez-vous, il y a la même base anthropologique que la Bible. La Bible est toute fondée sur le fait, dans le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jean de la Croix, c'est strictement la même chose. La personne humaine, c'est l'image par excellence du beau et de Dieu. Image par la structure. On peut avoir des pensées parce que Dieu pense. Nos sentiments. Et puis, la ressemblance, c'est le chemin qu'on a à faire. T'sais, on ne naît pas chrétien, on le devient. Bon, ça a été appliqué à toutes sortes de choses. Hein. Mais c'est exactement ça. Alors, l'anthropologie chrétienne est l'anthropologie sanguiniste.
C'est important. Dans le beau poétique de Jacques Lacroix, il faut savoir que c'est le beau de la personne qui est biblique aussi. La personne va rencontrer l'infini, donc le beau. Le beau. Jean de la Croix va dire que c'est une personne humaine, c'est toujours inénarrable, c'est toujours beaucoup trop profond. Dieu, parce qu'il est lié à l'image, à la ressemblance de Dieu, et c'est épais, pas les épais, là, comme on dit, mais il y a l'épaisseur de la personne. Le beau est toujours translucide, oui, mais il n'est que translucide. Le beau en soi, pour lui, c'est Dieu. Alors, lorsque le beau rencontre la personne, ça crée des sensations intérieures. Sainte Thérèse, je l'ai dit, je l'ai dit aussi que le Carmel est à l'origine de beaucoup de la psychologie moderne. Il y a de quoi qui se passe en dedans de soi. Quand on accueille Jésus-Christ selon Saint Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, prends les personnes telles qu'elles sont et puis tire au maximum de tes possibilités, comme tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais plus tu vas y ressembler, plus ça va être. Et plus tu vas être toi-même. C'est son préjugé de base. C'est une épaisseur. Et c'est tout à fait paradoxal, parce que dans la dynamique chrétienne, le Christ atteint la plénitude de son être, de son union à Dieu, parce que j'entre pas dans ça, là, mais dans les grands paradoxes, mais c'est dans la croix. La croix est le lieu focal où, pour le Christ, être le Christ devient total. Et le chrétien, c'est la même chose. J'explique pas là parce qu'on n'est pas dans une, on n'est pas dans une, dans un exposé qui favorise ça, mais il faut savoir que pour Jean de la Croix, la croix est loin d'être l'anéantissement, c'est le sommet. Dans cette dynamique, ça va être très important. Hein? La beauté de Dieu est révélée dans la personne qui atteint son maximum dans la croix. C'est tout à fait paradoxal. Alors, la beauté de Dieu, donc, elle est vérifiable et elle est... Je le disais, il y a deux niveaux de connaissance, la connaissance scientifique et la connaissance de foi. Pour connaître Dieu en lui-même, il faut forcément le deuxième niveau de connaissance. Le premier ne suffit pas. C'est radical pour lui. Et pour lui, le moyen par excellence d'atteindre Dieu en lui-même, et non pas simplement d'après ce que je suis capable de découvrir, puis « Ah, ben voilà, oui, il y a toutes sortes de le moyen d'approcher Dieu, les approches aristotéliciennes, vous savez, platoniciennes, etc., qui ont été reprises ensuite par des chrétiens comme Thomas d'Aquin ou Saint-Anselme, etc. Mais il dit, pour dépasser, puis vraiment aller en dedans de la personne, il faut la foi. Et ça, c'est Saint-Jean de la Croix, dans sa dynamique, va toujours parler énormément de la connaissance de foi. C'est important pour bien comprendre les symboles qu'il nous dit. Alors, pour comprendre ce qui est impossible, c'est le beau, et le beau, je viens de le décrire. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est beaucoup plus rapide, parce que quand on a compris le début de Jean de la Croix, on comprend tout le reste. Hein? La deuxième fonction de la poésie, c'est de transmettre l'intransmissible. Alors, le premier, c'était de transmettre le beau, puis deuxièmement, l'intransmissible. Et là, on devient, avec une série d'images. Puis on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que chaque mot, on le sait, est l'expression rationnelle d'une réalité intérieure. Alors ça, c'est le niveau cognitif, le niveau des dictionnaires. Mais le niveau affectif, il y en a toujours un. Il y a toujours un poids affectif aux mots. Et Jean de la Croix va prendre des mots qui vont avoir un sens cognitif et affectif pour nous dire le beau, pour nous dire Dieu, pour nous dire la personne, pour nous dire les créatures.
L'homme est un type. Alors, c'est là qu'on va avoir accès à une foule de mots qui est un peu l'éclatement de tout ce qu'il voudrait nous dire, mais qui n'est pas capable de nous dire rien qu'un mot. Un mot rationnel. Vous nous parlez de montagnes, de bosquets, de cavernes, d'îles étranges, de fortins, de frontières, de feux, de lits fleuris, etc. Il va jouer sur des couleurs, le blanc, qui est la couleur de la foi et des vierges, la charité qui est la couleur de le rouge, la couleur des martyrs aussi, le vert qui est celle de l'espérance, on va reconnaître facilement la symbolique liturgique catholique dans ça. Alors, Saint Jean de la Croix, donc, parce qu'on m'a dit que c'est à peu près fini, alors Saint Jean de la Croix, si je veux résumer, je pense que c'est un univers dans lequel plonger, hein? On plonge dans son univers. On ne s'étonne pas, on ne s'imagine pas tout comprendre, parce que forcément, ce ne serait que cognitif, et ce n'est pas vrai. Je vous remercie beaucoup. Très bien. Quelqu'un a une remarque? Merci beaucoup, monsieur, beaucoup aimé. Mais tu as parlé beaucoup de la beauté qui fascinait Jean de la Croix, mais présence. Cette présence du Dieu en soi, chez le mystique, j'aurais aimé que tu nous en donnes quelques mots. C'est vraiment essentiel, Mirette, chez Jean de la Croix. C'est certain que, c'est un peu volontaire que je peux entrer dans ça, parce que là, tu entres directement dans le domaine de la foi. Hein? Moi, j'ai essayé vraiment de m'en tenir au domaine de la poésie, de sa symbolique externe. Tu entres à l'intérieur de la personne, et c'est absolument sûr, je parlais de Jean de la Croix comme étant quelqu'un qui baigne dans une atmosphère de foi. Le Carmel est le milieu, normalement, qui favorise le plus cette intériorisation. Sainte Thérèse a été celle qui a le plus parti le mouvement. Tu sais, les demeures de Sainte Thérèse, Villa du Temple, et c'est qui a parti le mouvement de l'intériorisation des étapes. Et Saint Jean de la Croix a mis des mots sur ça. C'est ça. Sainte Thérèse d'Avila a été la fondatrice du Carmel des Chaux, comme je le disais. Et elle a décrit l'itinéraire spirituel de la personne, donc intérieur, essentiellement. Et Jean de la Croix arrive et puis il dit, ben là, vous avez parlé là, que dans votre château intérieur, par exemple, là, bon, ben, il y a des reptiles et tout ça, la purification, on va en parler. Et il met le mot. Et c'est quoi qu'il faut purifier dans une personne pour qu'elle puisse se laisser habiter par Dieu? La personne, je le disais, l'anthropologie de Jean de la Croix, qui est l'anthropologie biblique, c'est la ressemblance, l'image de la ressemblance de Dieu. Forcément, plus une personne va se laisser habiter par Dieu, plus elle va être elle-même. C'est pas du tout, du tout, du tout quelque chose à rapporter, là. Dans une dynamique chrétienne, bien sûr, ça peut être mais l'option chrétienne qui est celle de Jean de la Croix. Alors, l'habitation, la transformation intérieure, l'union transformante, c'est une des deux grandes caractéristiques de Saint Jean de la Croix. Il nous dit ce qui se passe intérieurement une fois que la personne a vraiment atteint ce qu'elle pouvait faire, eh bien, Dieu va agir. Et là, c'est toute son œuvre de la vie flamme d'amour, etc. Il nous dit ce qui se passe dans une personne intérieure qui se laisse habiter par la présence de Dieu. Et bien, il ne peut plus. Puis là, il va exploser de toute la théorie de toute sa poésie parce qu'il ne peut plus parler. Là. Il va dire, bon, ben voilà, il y a de la flamme. Il y a toutes sortes, puis là, il part dans ses images, puis on dit, ben, il s'énerve. Non, il ne s'énerve pas. Il nous dit ce qui se passe après. Tu sais, c'est que la plupart des mystiques, Jean de la Croix est le docteur mystique de l'Église. Donc, c'est ce que l'Église catholique a de mieux à présenter au monde. Et puis, il nous parle, tu sais, la plupart des mystiques vont parler, ils vont amener la personne jusqu'à ce qu'on appelle le mariage spirituel. Ce qui est assez peu, parce que
c'est comme si une personne se marie avec une autre à l'église et puis elle sort sur le perron de l'église. Bon, mais là, ça y est, on a le sommet. Les petites nouvelles, là. Entre un homme et une femme, ça commence, ça n'arrête pas. C'est ça que Jean de la Croix a essentiellement saisi et décrit. C'est qu'il dit, bon, vous êtes allié de mariage spirituel, c'est un bon début. Bon, maintenant, voici ce qui se passe. Et c'est pas banal. C'est une de ses grandes caractéristiques. La deuxième grande caractéristique de Jean de la Croix, ça va être, mais tout ça, là, voyez-vous, il le décrit poétiquement, mais on peut passer facilement à côté, ça c'est certain. Ou bien dire, ça suffit, je ne l'ai assez. Bon, puis ça, c'est chacun, ça dépend des options. La deuxième grande caractéristique de Jean de la Croix, c'est son passage, ce qu'on appelle entre la méditation et la contemplation. Il y a différentes façons de prier, d'entrer en contact, ce que vous parlez de présence, d'entrer en contact, de se laisser pénétrer par la présence de Dieu. Une qui va se servir énormément de tout ce qu'on a comme faculté. Et puis l'autre qui va être beaucoup plus réceptive. Hein? Et voilà ce que Saint Jean de la Croix, c'est la deuxième grande caractéristique, la contemplation, qui n'est pas un état de nirvana où on ne fait rien, mais cet état de réceptivité de Dieu. Alors, ça touche Jean de la Croix, l'essentiel, c'est sûr, que c'est pour un croyant, c'est énorme ce qu'il apporte. Il décrit les choses. On ne peut pas... C'est très difficile d'aller plus loin que Jean de la Croix aussi longtemps que dans une perspective chrétienne. C'est très difficile d'aller plus loin sur terre que ce que Saint Jean de la Croix décrit. Parce qu'il décrit déjà l'union transformante en Dieu, qui, elle, sera totale uniquement selon l'idéologie chrétienne, selon l'utopie chrétienne, qui va être complétée seulement de l'autre côté, dans l'éternité, hein, par le retour du Christ, puis cette rencontre-là qui se fait pour chaque personne au moment de la mort, mais qui peut se faire lorsqu'il reviendra. Soit, je n'entre pas dans ça, mais en tout cas, Jean de la Croix insiste énormément, puis c'est vraiment la colonne vertébrale. C'est le commentaire de Jean 14, 23. Hein. Si quelqu'un m'aime, bon, ben, mon Père va venir, puis on va faire chez lui, c'est notre demeure. Et Sainte Thérèse était fascinée par cette parole-là. Elle dit, est-ce qu'on serait vide en dedans, puis qu'il y a de la place, puis qu'il viendra rester? Et c'est Jean de la Croix vient avec son instruction, il est capable philosophiquement de montrer ce qui se passe, de décrire ce qui se passe. Et il le fait entre autres par la poésie. Alors, la présence de Dieu, elle est colonne vertébrale. Je ne sais pas si cette... Oui, c'est pas. Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. C'est pour ça que c'est pas... C'est pas artificiel. On prend Jean de la Croix, on ne le lit pas comme un roman de Guy Descartes ou quelque chose comme ça. On le reprend un petit peu. Ceux qui ont la foi vont reprendre l'Évangile. Ils sont tous surpris de voir que d'année en année, les mêmes textes leur disent autre chose. Oui, c'est ça. Jean de la Croix, c'est la même chose. Jean de la Croix s'explique lui-même par des degrés de profondeur, comme des degrés de profondeur de l'Évangile. C'est sans cesse pour ceux qui ont la foi. C'est une descente dans les profondeurs de soi, essentiellement. Parce que Dieu est dans le centre de la personne. Alors, tout ce qu'il dit, c'est intéressant parce que ça devient très éclairant. Quelqu'un, par exemple, va dire, est-ce qu'il y a un esprit mauvais? Prenez un bon exemple. Il va dire, oui, il y a un esprit mauvais, mais il ne peut rien contre toi parce que ce qui est en toi, c'est Dieu. Là, il se sert de Jean 14, 23. Et il dit, par contre, bien plus fin que tu l'es, fais attention. C'est avec Dieu. Bien, Dieu, tu l'as. Connecte-toi avec Dieu en tant que toi. Et puis tu vois. Tu sais, il prend toute la réalité spirituelle et toute la réalité temporelle et il les voit avec les lunettes de la foi. C'est un degré de Jean de la Croix qui n'est pas forcément saisi, ni au premier abord, ni par tous. Puis d'ailleurs, il n'est pas forcément, tout simplement. Ça va? Laurent, tu peux vous parler? Non? Merci. Donc, c'est ça. Pour moi, je voudrais dire aux gens. Oui, c'est dans la Bible blanche, là, c'est écrit pour une laïque, une femme laïque. Oui, on n'entend rien, madame. Prenez le micro. Non, c'est dans son livre, Bible blanche. C'est écrit pour une laïque, parce qu'il n'y avait plus conscience que ce n'était pas seulement pour les bonnes sœurs. C'est en plein ça. C'était pour les laïques.
On peut devenir des... Il vient épouser l'humanité, il vient pas épouser les religieux et les religieuses. Il vient épouser l'humanité, c'est du tout. Alors, moi, je pense que c'est important. C'est très important. Ces œuvres majeures, en tout cas, c'est pour des gens très simples. Et puis, oui, effectivement. C'est très, très important. Alors, ça veut dire que l'aspect relationnel est bien important. Fondamental. On parle d'une trinité, mais il y a des relations. En fin de compte, toute cette... C'est des relations. On sait qu'avec les personnes, là, il y a une espèce de croissance quand tu es en relation, un mouvement également. Et même toute la connaissance de Dieu, ça s'approfondit tout ça. Ouais. Et puis c'est comme toute une expérience de découverte. Pour ce que si on regarde notre monde, que le monde se retranche dans l'individuel, c'est pas très relationnel. On est à 100 lieues de les évangiles et puis des mystiques aussi. C'est sur certains aspects. Je pense qu'il y a certains aspects qui sont beaucoup plus théophanes, c'est-à-dire. Il nous révèle Dieu. Il y a certains aspects. Tu sais, je vois par exemple les parents aujourd'hui, c'est phénoménal de ce qu'ils peuvent s'occuper des enfants. Tu sais, tous les parents ont toujours fait ça. Il ne faut pas s'en faire. Là. Mais bon, pour différentes raisons, ils ne pouvaient peut-être pas toujours. Mais aujourd'hui, il y a des aspects du comportement humain qui révèlent Dieu beaucoup plus facilement qu'auparavant. Hein? Je vois des gens. C'est ça. Ne serait-ce, ça me frappe beaucoup la question des parents-enfants actuellement, qui reflète énormément comment ça marche avec un Dieu qui est père. Ben, il se préoccupe de toi jusqu'au moindre détail. Ben oui, jusqu'au père de l'assiette, pas qu'il s'en fasse dedans, etc. C'est phénoménal. Bon, donc, oui, c'est vrai que certains aspects de notre civilisation qui ne favorisent pas tellement la rencontre de Dieu ou qui expriment... Qui favorise pas le fait qu'une personne devienne vraiment humaine, parce qu'il faut ressembler à Dieu absolument pour être humain. Ça, c'est l'idéologie chrétienne. Maintenant, mais ça, c'est vrai, parler de l'individualisme, ça ne fonctionne pas. Il y a des aspects qui ne fonctionnent pas. Bon, mais il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus développés, qui révèlent Dieu si on regarde bien. Moi, je trouve, en tout cas. Puis ça peut être n'importe quoi, tu sais, je vois, il y a certains professeurs, beaucoup, tu sais, ceux qui ont vraiment ça dans les autres, c'est phénoménal tout ce qu'ils peuvent faire, tu sais, le petit gars qui assiste au divorce de ses parents, puis qui arrive le lundi matin, puis il est tout à l'envers, puis la maîtresse d'école ou le professeur qui lui reconstruit une affectivité, c'est extraordinaire de voir ça. Alors, il y a des aspects qui révèlent Dieu plus. Mais il y a d'autres aspects, effectivement, il ne faut pas s'en faire, qui ne révèlent pas Dieu et qui ne révèlent pas, qui empêchent la personne humaine d'être elle-même, donc d'être comme Dieu, d'être comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, c'est ça. T'sais. Parce que sur ce plan relationnel, on peut dire que notre société va à l'encontre du relationnel, mais tous les organismes internationaux, par exemple l'ONU, c'est tout dans le sens de refaire le relationnel. Faire plein de découvertes et puis de se rassembler, de former un peuple. C'est dur de faire une consensus, de faire une unanimité, alors que le but de la vie, c'est ça, on a donc de la difficulté. Oui. Parce que les mystiques ont beaucoup à nous apprendre. C'est exact. C'est exact. Une question de contexte. Oui. Tu as parlé de la réforme du Carmel, Thérèse d'Avila, Carmel féminin, Jean de la Croix, Carmel masculin. Oui. Quelle est la nature de cette réforme-là? Qu'est-ce qu'on a changé à ce moment-là? C'est la question est très, très bonne. Ça va très loin, là. Bon, un aspect, c'est-à-dire plusieurs aspects. Hein? Un des aspects de Sainte-Thérèse d'Avila qui était très important, c'est l'aspect communautaire. Bon, une communauté religieuse, selon le droit canonique, c'est un concentré d'Église. Donc, la vie communautaire, on est toujours ensemble, là. On peut l'être plus ou moins.
jamais séparés. Et elle, elle a fait ce qu'on appelle ces petits collèges-là. Au début, elle ne voulait pas plus que 13 carmélites. Là, donc, c'est un peu l'idéal, parce que ça n'a pas d'allure, parce que t'en perds une, puis ça ne fait pas pourquoi 13, parce qu'elle avait le Christ, puis ses 12 apôtres. L'aspect communautaire était un des points importants de Thérèse d'Avila. Parce qu'auparavant, les carmes et les carmélites étaient... d'abord, il faut avoir plusieurs centaines. Ensuite de ça, ceux qui avaient de l'argent, ben, il y avait plus d'appartements. Tandis que là, non, elle avait dit, bon, ben non, la vie communautaire base sur l'égalité, par exemple. Alors, la vie communautaire amène la nécessité de l'égalité, etc. C'est un des aspects de sa réforme. Elle appelait ça réforme, mais dans le fond, c'est elle qui trouvait ça important. C'est plus qu'une réforme, une fondation. Mais ça, c'en est un aspect. Il va sûrement y avoir l'aspect aussi de recherche de Dieu. C'est-à-dire que on peut toujours rechercher Dieu. Je pense que ça, c'est absolu. Bon, en tout cas, au Québec, là, il y en a très peu qui ne recherchent pas Dieu du tout, du tout. Le mieux, c'est de... Le pire, c'est de dire, ben, je ne sais pas s'il existe. Bon, là, ça, c'est rien. Mais la recherche de Dieu, pour elle, devient quelque chose. Écoute, c'est le sens de ta vie. Alors, si tu rentres ici, ça va être pour ça. Ça, c'est... Puis la recherche de Dieu, elle va avoir des méthodes de raison, elle va avoir son règlement. Il va avoir aussi l'aspect de la joie. Le Carmel est essentiellement, pour Thérèse d'Avila, le Carmel est essentiellement un lieu où il fait bon vivre, où il est joyeux. On ne commence pas par parler du fouet, puis parler du silice, puis parler de la discipline. À son époque, qui était particulièrement sensuelle, d'autres en parlaient. Elle n'est pas folle, elle s'en rendait compte. Je veux dire, la femme qui envoyait un billet à son amant le soir, ben, mon mari s'en va, là, tu viendras me rejoindre. Fondamentalement, il y avait un aspect sensuel. Elle le sait très bien. Mais pour elle, si tu embarques avec Dieu, tu vas être capable de vivre des choix, mais dans la joie. Alors, l'aspect joyeux du Carmel, puis ça demeure sur le Carmel. Quand ça fête, ça fête. Quand c'est un bon repas, c'est un bon repas. Et ensuite, par exemple, on se ressaisit. Là, c'est plus le temps. Là, c'est le temps de prier. Là. On prie. Voyez-vous? Alors, Thérèse d'Avila a des points comme ça. Là. Et on peut tous les voir. Et puis, elle a fondé quelque chose qui dure, c'est pas vrai. C'est comme les femmes qui sont actuellement carmélites. C'est loin, je l'ai souligné, loin des nonnes. C'est des femmes, des maîtresses-femmes qui sont là, qui ont souvent un passé très riche, mais qui ont décidé que Dieu était le plus important, puis qu'ils vivent dans la sérénité, etc. Alors, ils prennent la manière de faire. Alors, ça intéresse un peu le sens de ces réformes. Elle, bien sûr, comme toute femme, elle disait, « Ah, ben là, c'est ce que nos pères pensaient, c'est ce que, bon, ouais, nos pères pensaient. » Tant mieux s'il pensait, mais elle ne s'est pas posé d'abord la question si elle faisait rien de réformer. Elle s'est posé la question qu'est-ce qu'il faut vivre, hein? Je ne sais pas si ça... Ouais, c'est un peu... Elle appelle ça réforme. Elle appelle ça réforme. Mais c'est une réforme féminine, hein? C'est comme l'épouse qui dit à son mari, telle affaire. Tu as toujours dit que... Non, je pense qu'on va le faire. Ben oui, tu as toujours dit que... Je ne veux pas entrer dans ça. Galilée disait que l'univers était écrit en mathématiques, Newton aussi. Donc, quelle était l'attitude de Jean de la Croix face aux mathématiques? L'astrologie, qui était considérée comme une science, ou l'astronomie, c'est l'auteur des étymologies qui a distingué les deux, mais là j'ai oublié son nom. Personne. Les étymologies, toute une encyclopédie, là. Nous sommes du christianisme. Non, c'est pas grave. Est-ce que Jean s'opposait aux sciences mathématiques, naturelles?
Non, pas d'opposition, mais c'est pas ça, c'est pas sur ça qui embarque. Il n'est pas opposé, pas plus que le thomisme est opposé à la science, parce que j'ai parlé de la réforme de Cisneros à la fin du 15e siècle, puis Salamanque a été une fondation de Cisneros. Alors, il est bien sûr que non, il n'est pas opposé, c'est bien évident. Puis quand je parlais, par exemple, de la créature ou de la personne humaine qui était translucide de Dieu, etc., bien là, c'est typiquement la méthode aristotélicienne, on s'entend bien, hein? Alors, la méthode scientifique de l'époque, je pense qu'il ne faut pas changer non plus. C'est pas un homme qui vivait dans notre siècle d'invention mathématique, de choses comme ça. Non, lui, ce n'était pas ça. C'est une science du genre d'Aristote. C'est une science du genre des maîtres arabes qui ont transmis Aristote, etc. Alors, c'est un homme de son époque essentiellement. Il n'était donc pas. Il ne pouvait pas être opposé à quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il ne pouvait pas être opposé au monde de mathématiques, au monde de Guillaume Pascal qu'on connaît, au monde des ordinateurs. Ça n'existait pas. C'est le 16e siècle espagnol. 1642, 1591. C'est son époque. Non, c'est Léandre de Séville, d'ailleurs, celui que vous cherchiez. Non, c'est pas lui. Oui, c'est un notaire de Séville. Ah. Il écrit l'étymologie. Et donc, c'est un notaire de Séville. Et c'est un notaire de Séville. Il connaissait bien le monde arabe. L'autre, Luna. Je veux juste relever un point que vous avez soulevé, les deux niveaux de connaissance, la connaissance ordinaire, on peut appeler, qui est le nom de la science, de la technique, ainsi de suite, et celui de la foi. Et aujourd'hui, on semble séparer ça de façon presque étanche. Puis on semble vivre, on semble se contenter de vivre selon, pour beaucoup, se contenter de vivre selon un seul niveau de compréhension. Et puis, moi, ça m'a frappé, par exemple, on était dans une famille assez religieuse chez nous, puis j'avais du côté de ma mère, il y avait un curé, il y avait deux frères, puis il y avait deux religieuses du côté de la famille de ma mère. Donc, on n'a pas manqué d'informations religieuses chez nous. De sorte que moi, je n'ai jamais ressenti la rupture de ces deux niveaux simultanés depuis mon enfance. Et c'est quand j'ai fait mes études que là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait de la rupture quelque part. Et même, j'étais en philosophie, puis c'était les jésuites qui enseignaient, puis si je posais une question qui avait une allure ou était de moindrement religieuse, j'avais des réactions. Je recevais des réactions en me disant, mais ici, on est en philosophie, on n'est pas en religion. Mais d'entendre ça de la part de religieux, je trouve ça me scandalisait un peu. ça ne s'est pas arrangé parce que là, avec l'abandon des signes religieux, ça va encore plus loin. Là. Ça risque d'aller plus loin. Ça veut dire que le témoignage des gens va être de plus en plus important. Oui, je retiens surtout votre rappel des deux niveaux de connaissance. Ça, je suis vraiment d'accord. Hein? Il y a deux niveaux de connaissance, au niveau scientifique, comme on l'entend, ou le niveau de la foi. Pour Jean de la Croix, je n'ai pas insisté parce que l'objet de ma conférence n'était pas ça, mais c'est vraiment le niveau de la foi qui est le plus important. Par contre, il ne fait pas du tout abstraction du premier niveau de connaissance, la science, de son époque. Et j'ajouterais simplement que c'est sûr que notre époque est beaucoup plus sensible au premier niveau de connaissance, hein, niveau de connaissance scientifique. Ça, c'est absolument certain. Est-ce que d'autres époques ont été plus chaudes sur le deuxième niveau de connaissance de la foi? C'est possible. C'est possible que non aussi. On les laissait faire, on laissait curé parler, on laissait les frères, les sœurs parler. Dans le fond, si le Québec s'est laïcisé aussi vite que ça, c'était peut-être... En tout cas, je
j'ose pas embarquer dans ça parce que c'est autre chose. Mais il y a une constatation, c'est que le premier niveau de connaissance est nettement privilégié actuellement. Ça, c'est certain, ça. Que par contre, on se prive, selon Saint Jean de la Croix, d'un niveau de connaissance important en se privant de la foi. Mais là, ça, c'est sûr. Quand je m'enlève dans ce que vous dites, c'est exact. Mais comme Pascal, Saint Jean de la Croix est également capable de continuer de faire des travaux. Je pense que oui. Physiques, dans l'ordre du matériel. Oui, 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 définitivement. Définitivement. De son, comme son époque le lui disait. C'est à nous autres ensuite à l'actualiser. Hein. Bien sûr. Mais il est tellement actuel que c'est très facile de l'actualiser. C'est une facilité, c'est une limpidité. Prends Saint-Jean de la Croix, c'est grille. Puis tu colles la grille actuelle, puis tu dis, ah, il y a vraiment correspondance. Puis, ça nous aide beaucoup à lire notre époque. Ça, c'est certain, ça. Mais encore faut-il admettre le deuxième niveau de connaissance. Alors, ça, c'est autre chose. Mais, tu sais, c'est parce qu'on ne peut pas aller loin. On ne peut vraiment pas aller loin. Mais très souvent, on remarque que chez les mystiques, ça commence très jeune. Ah ouais? Ça commence très jeune. Ah. À l'avoir, on est comme une Sainte-Catherine de Sienne. Sainte-Catherine de Sienne, oui. Beaucoup de mystiques, c'est très jeune. Dans leur engagement de vie spirituelle, ça fait très, très jeune. Ça se peut. Ça se peut très bien. C'est sûr que dans l'idéologie et dans l'utopie chrétienne, c'est ça très explicable. Je veux dire, dès le baptême, c'est pour ça qu'on baptise les enfants. C'est-à-dire, dès le baptême, ça commence à se développer quelque part. Là. Puis la personne reçoit beaucoup plus qu'elle ne construit. Ça, c'est dans l'utopie chrétienne. Puis d'ailleurs, c'est toute la dynamique de la révélation. Dieu qui envoie son fils, etc. L'initiative vient toujours de Dieu. Donc, ça se peut, c'est une logique implacable quand vous dites que ça commence jeune, c'est très. Madame, moi, aujourd'hui, ça ne fait pas peur, justement, la démolition des églises et tout. C'est un passage, ça. Pour moi, c'est un passage. On nous a beaucoup enseigné les dogmes, c'est justement la dimension spirituelle, la méditation, la contemplation. On n'a pas connu ça, là, tellement, en tout cas. Certains milieux privilégiés. Mais c'était pas ça qu'on nous présentait beaucoup. Alors, moi, je dis, c'est une des raisons pour lesquelles tout ce qui se passe, le rejet des religions, la religion, la nôtre, c'est un passage et c'est une purification dans un sens. Et on va y avoir d'autres lieux pour se faire présenter ce Dieu-là dont on parle. Ici, d'ailleurs, le fait qu'on parle de Jean de la Croix, c'est un lieu. Alors, nos lieux de rencontre, de présence, ce ne sont peut-être plus dans les églises, c'est sûrement moins, en tout cas. Et c'est un lieu. Puis, en fin de semaine, on était à un concert à l'Orchestre symphonique et c'était sur la mer. Il y avait une pièce très nouvelle, que les gens ne connaissaient pas, mais c'était sur la mer, le thème de la musique du compositeur. Et c'était des vagues, et puis bon, ils nous présentaient la mer de différentes façons. Et au tableau en haut, on écrivait le texte qui se reliait à la musique, et on l'a traduit en français. Et à la fin, le capitaine du bateau, vous étiez là, moi, le capitaine du bateau ne parle plus seulement là, de ce qui se passe dans sur la mer, dans le cosmos. Il est arrivé à Dieu. Il naviguait plus sur l'eau. Il s'en allait vers Dieu. Et c'était tout traduit, ça, en parler de Dieu à la place, pas au cinéma, mais je veux dire au concert. Et à la fin, complètement, quand ça s'est terminé de façon très brusque, parce que c'était la mer, c'était
ça s'avançait, là, ça était. Et il ne s'est pas tourné, le chef d'orchestre ne s'est pas tourné, il est resté du côté de ses musiciens. Les musiciens se sont relâchés, il nous a mis en silence pendant 45 secondes. C'était extraordinaire, de 800. En silence pendant 45 secondes, et quand il s'est tourné, il dit, il faut apprendre à faire silence, c'est le chef d'orchestre. Il faut apprendre à faire silence, 45 secondes, 800 à faire silence ensemble. Il dit, on ne s'arrête pas assez. Et moi, ça, c'est un lieu pour rencontrer Dieu. Alors, moi, je suis pas désespérée. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 52-58% d'étudiants au niveau universitaire qui sont en détresse. Alors, il y a un besoin qui ne sera plus de la religion, proprement dite, mais de l'intériorité et de la spiritualité. Moi, je pense pas ça en cause. En tout cas, c'est une lecture qui ne m'apparaît pas, fausse en partant. En tout cas, c'est une lecture possible. Dans l'avenir, là, je ne le connais pas, je sais vraiment pas. Question, commentaire? Il y a d'autres questions, Marc? Oui? Oui, ah, donnez-y le micro, madame. Tout d'abord, je veux vous féliciter pour votre conférence que j'ai beaucoup apprécié, et je vous en remercie. Puis j'ai pris quelques notes, et puis moi, ce qui m'avait frappé dans votre livre, lorsque Saint-Jean-de-la-Croix parle de la nature humaine ne change pas. Alors, c'est sûr que lorsqu'on fait cette lecture, bien, on se dit, comment élaborer ça, là, disons. La nature humaine ne change pas depuis que l'homme est homme. Puis à comparer avec aujourd'hui, c'est la même nature humaine parce que c'est oui. La création de Dieu. Oui, oui, c'est ça. OK. C'est exactement ça. Dans une perspective chrétienne, hein, c'est ça. Hein. Oui. Et tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de mal dans une personne humaine, d'ailleurs, pas rien que pour l'homme, vous dites l'homme, non, là, je vous taquine. La femme aussi. Non, mais je vous taquine. Mais effectivement, une personne humaine, est-ce qu'il y a de bon et de mauvais sur la paix? Est-ce qu'il y a de bon, par exemple, Saint Thomas d'Aquin parlait que toute personne fait toujours ce qu'il y a pour le mieux, même le mal sous prétexte de bien. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que même les pires actes de barbarie, c'est au nom de quelque chose que ce soit meilleur. Bon, ben lui, je l'élimine parce que moi, je veux imposer mon idée. C'est le bien que je veux. Le mal que je fais, c'est parce que j'ai du bien à retirer pour moi, pour les autres, pour Dieu, etc. Alors ça ne changera pas. Voyez-vous, les grands axes comme ça ne changent pas. C'est pas possible pour une personne humaine de vouloir le mal pour le mal. Dans l'utopie chrétienne, il n'y a qu'un être surnaturel qui veut le mal pour le mal, c'est Satan. Mais ça me fait penser à la situation. De toute façon, c'est ce que ça va, parce que je peux l'envie de ma voix d'homélie, là. C'est un beau. Parlez fort, s'il vous plaît, pour la dernière partie, parce que les micros ont été fermés, désolé. Oui, c'est une autre fois. Bon, ben, si vous voulez, je peux ôter ça. Je ne suis vraiment pas un homme de mon siècle. Alors, effectivement, le bien, une personne veut toujours le bien, même le mal, elle veut un bien, elle poursuit un bien. Bon. Ça, c'est l'aspect positif. Il peut y avoir aussi des aspects négatifs. Mettons, la jalousie. Ça existe, ça. La nature humaine ne change pas. Quand il y a des succès, quand il y a quelque chose de plus dans l'autre, il
n'est sûrement pas correct parce qu'il est mieux que moi. Ça ne change pas. Alors effectivement, il y aurait beaucoup d'exemples comme ça, du bien et du mal, pour montrer que les tendances de fond ne changent pas. Techniquement, on peut changer ces choses-là. Je peux avoir un condo au lieu d'un appartement, au lieu d'une masure. Ça ne change strictement rien à ma jalousie, ça c'est pour le mal, ou bien au fait que j'aime mes enfants. Les parents qui avaient 15 enfants, M. Kepman nous contait qu'à l'enseignant de la Abitibi, puis c'est la grosse misère noire. Ben, je regrette, mais les parents, ils aimaient autant leurs enfants qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont rien qu'un, deux ou trois, ils aimaient autant différemment. Ça ne change pas, la nature humaine ne change pas. Et c'est ça l'anthropologie de fond. Oui, c'est bon. Ouais, c'est des exemples. Hein. Avais-tu une question, si tu voulais? C'est juste pour vous dire une petite conclusion. Oh. On est rendu à la fin. Non, en conclusion, je trouve que Jean de la Croix vaut la peine. Jean de la Croix est un homme d'une terrible actualité, si on le lit, si on se donne la peine de le lire, dans la mesure où on ne pense pas le saisir du premier coup. Jean de la Croix se lit comme un roman qu'on lit et qu'on relit parce qu'on l'aime. Ça me paraît important. C'est la conclusion que je donnerais qui me semble le plus important. OK? Merci.